Ah. Oh, je veux pas mal. Ah. Aïe. Non, non. Yo. C'est la petite dame de l'agence. Encore. Viens, 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 viens. Encore, elle vient tout le temps, celle-là. Voilà. Ici. Ah, d'accord. Mmh. Pardon. Mmh. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est mieux d'appeler avant de passer. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je Oh, pardon. Bonjour. Oh, putain. C'est qui? C'est ma sœur. Ah. Bonjour. Oh, c'est pas le même prépare que lui. Ah, madame Dubout. Dumou. Alors, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va, merci. Pardon. Oui. Alors, quoi de neuf? Vous allez bien? Vous allez bien, j'adore votre couleur. C'est bien, c'est... Oui. C'est... Non, c'est... Alors, quoi de neuf? Oui, pardon. Je vous apporte le papier que vous m'aviez demandé. Oh, c'est le débarquement. Vas-y, maintenant, tu te réhabilles. Dans une minute, tu t'es cassé. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est ta sœur qui te fait cet effet-là? Non, mais t'es fou, non? Ça va pas la tête. Oh. Ah oui. Donc, on disait quoi? Il faudrait qu'on signe rapidement, là, maintenant, peut-être. Ah, oui. Vous aussi, vous allez vous marier? Vous êtes sûr de vous? Pourquoi t'es sûr de toi, toi? Pauvre con! Merveilleuse journée, mesdames! Ouais, sûr. Sûr, sûr, sûr. Un verre d'eau, un café, un jus d'orange. Au revoir. Bon. Enfin, on fait comme on a dit. Mais... D'accord. Merci. Bon, au revoir. Oui. Anna? Anna, c'est toi? Quoi? Tu parles plus fort, je t'entends pas bien. Attends, parle plus fort, j'entends rien. C'est ta mère? Aux urgences? Mais qu'est-ce que tu fais aux urgences? Bah arrête de répéter en boucle que maintenant t'es sûre, je comprends rien. Bon, j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Poppy est aux urgences. Quoi? Poppy est aux urgences! Non, Poppy est aux urgences. J'arrive. Quoi? Moi, je pensais à toi. Tu foutais quoi? Qu'est-ce que t'es... Arrête de te foutre de ma gueule, on se casse pas comme ça sans donner de nouvelles, putain. Mais quoi? J'avais besoin de réfléchir. Voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai besoin de m'isoler. Mais maintenant, je suis sûre, je sais, j'ai pris. Soit tu continues d'hurler comme ça, comme un putois sur le trottoir, soit tu viens avec moi et tu te calmes. Mais j'ai même pas hurlé, tu me racontes. Mais si, là, t'es putain, ça va. On va pas se disputer, écoute. Tu te bats? Bah oui, faut que j'y aille. Je rêve. Ouais, tout à l'heure. T'es sérieuse? Je rêve. Mais je rêve! Oui, allô? Ça commence à ça goûte. Vous savez quoi? J'arrive. Putain, mais je rêve! C'est foutu. La quantité d'eau qui va se déverser est forcément proportionnelle au type d'appartement qui chauffe. Alors là, on a quoi? 8 radiateurs par étage sur cet étage? Bah, le calcul est simple, hein, 7 fois 8, Diego. 56. Ça va péter, hein. Et si ça pète, ça pète, hein. Moi, je pense que c'est foutu. Hein. Ouais. Faudrait trouver une clé à nipple, et encore. Quelqu'un peut m'expliquer de quoi on parle, là? Oui, une clé à nipple en 24-32 ou en 33-44, mais... Si, en faisant un raccord mal avec un joint silicone. Bon. Ouais, mais on avait fait ça chez Madame Bichir, ça avait pété, hein. C'est foutu. Non, puis en plus, il faudra trouver un double nip de réduction type MM245. Alors ça, pour trouver ça... Non, c'est foutu. Et en quoi, cette histoire de clé, ça m'empêche d'emménager, là? Je comprends rien. Bah, ça goûte. Bah oui, ça goûte. En plus, les fondations sont poreuses, ça, je vous l'avais dit. C'est pour l'eau. Non, mais écoute-moi, toi aussi, là, tu m'écoutes. Tu m'entends? Toi aussi, tu m'entends, là? Lundi, j'emménage. Ouais, mais regarde, là. Non, viens là, viens là. C'est fileté comment, là? Hein? C'est fileté droite-gauche. C'est foutu. De toute façon, ça va péter. Alors? Mais quoi, c'est sa faute? C'est les dragées de mon mariage qu'elle a boulotté, hein? C'est moi qui ai eu l'idée de les faire livrer chez moi, hein? 250 paquets, elle s'en est enfilée plus de la moitié. Putain, t'es vraiment irresponsable, toi. Irresponsable! Faut qu'elle se fasse ligaturer les trompes, Anna. La dragée était enfermée dans de la tulle, faut être complètement psychopathe pour vous foutre. Quoi? T'as dit quoi, là? Attends, j'ai pas bien entendu. Tu dis quoi?
Ah non, ça part comment ça, écoute, c'est quoi, c'est l'hystérie, là? Ça va, elle a eu un lavage d'estomac. C'est bon, elle s'en remettra, c'est pas la première, c'est pas la dernière non plus. Tu pourrais t'intéresser aux autres, ton frère, son mari. Voilà, il a des priorités. Mais ta gueule avec ton fils! Ah mais d'ailleurs, j'aimerais bien les connaître, ses priorités. Alors, tu te maries finalement ou pas? C'est quoi, cette question? Ah mais je sais pas, tu te maries finalement? Arrête. Mais pourquoi? Ça m'intéresse. T'as raison, maman. Faut s'intéresser aux autres un peu, hein. T'es vraiment folle, hein. Elle est vraiment folle. Mais toute petite, déjà, t'étais jalouse de ton frère. Franchement, maintenant, arrête. T'as grandi. T'as grandi. Elle te regarde toujours avec un regard de tigresse, là, comme quand t'étais petite. Arrête. Mais arrête, toi, de quoi tu parles? Toi, fais pas l'innocent. Tu me tiens au courant. Elle est complètement folle. Mais tu vas nous foutre la paix, oui? Franchement, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Mais elle est partie. C'est elle qui fait une... Elle fait une scène dans l'hôpital et c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui vous a élevé seul, toujours seul? T'as déjà pensé à ça? Seul, toujours? Arrête. Mais je suis ta mère, j'ai le droit. Tu sais, moi. Bah, t'occupes de ta mère maintenant, tu vas me prendre en charge. Je le mérite. Non? Aïe, mais arrête! Je suis ta mère, j'ai le droit. Et je vous ai jamais rien demandé, jamais, ni à toi, ni à l'autre. Rien! Tu devrais déjà commencer par enlever ça, tu sais. Je peux pas, ça. Si je l'enlève, je le tue. Non, déjà mort. Tiens. Qu'elle prend. Ah non, moi je peux pas. Si, tiens. Non. Et si j'essaye de passer à autre chose, moi. Ce serait bien, ça. Je vais me prendre en charge. Hein. Dis. Oui. Dis quoi? Non. Je te jure. Tu me laisses pas toute seule, dis non. Non, je te laisse pas seule. Non. Ne me laissez pas toute seule. Moi, je vais y aller, moi. Mais tu vois, tu m'abandonnes déjà. Mais non, s'il te plaît, viens, monte avec non, moi. Mais non, mais tu es déjà en retard, il y a tes copines. Mais faut jouer avec vos cartes. Non. Elles seront contentes de te voir. Comment contentes de te voir, viens. Pas longtemps, 5 minutes. Pas longtemps. 5 minutes, non, 5 minutes. Cinq minutes. Ah ben moi, je voulais venir vous voir. Attends, je vais changer sa première couche. Tu sais qu'on a toujours pas de nouvelles de Pixie. De qui? Ouais, Pixie, c'est bon. Mais le bulldog. On en a parlé l'autre jour. Il s'en souvient pas très bien parce qu'il a beaucoup de problèmes en ce moment et de priorités, mon amour. Il a des priorités. Mais il va rester déjeuner avec nous. Ah si, qu'on attendait ce moment-là. Il t'en aura fait baver, celui-là. Ah bah ça, avec ça, il était heureux, c'est bavé. Pour avoir des enfants. Non, parce que les ovaires, c'est pas éternel. Oui, oui. Mais tu te souviens quand on est allé à Lourdes pour mettre sa photo? Lourdes. À Lourdes, on se disait... Il a autant de chances de trouver une femme qu'un aveugle de recouvrer la vie. Hier, on disait mon Dieu. T'as mis ma photo à Lourdes? Ouais, dans la grotte de Bernadette. Toi, ça a marché. Bon, je passe un très très bon moment, mais il faut vraiment que j'y aille. Ah non, tu m'embrasses pas. Si, de loin. T'embrasses pas ta mère. T'embrasses pas ta mère. Bon, bisous de loin. T'as des clés? Mais c'est vous là. Putain, t'as vraiment une gueule de merde. Elle est pas là, ma soeur? Oui, c'est bien. Hé, hey, Coincoin, surprise! Regarde qui est là. Hé, hey, dis donc, avant il n'est jamais, maintenant qu'il va se marier, il nous colle. Ah, ça fait plaisir. Là, tout de suite, ça se voit pas, mais je te jure, elle est super contente de passer plus de temps avec toi. Hein? Hé, hey, ça va ou non? Hein? Ça va? Dès qu'elle voit un bout de tulle, elle gerbe, mais à part ça, ça va. Ça va passer. Ben, j'espère, parce que ça va être gênant pour l'avenir.
Et t'as vu l'œil du tigre? Ça. Bon ben, j'y vais. D'où? De quoi? Non, tu rentres dans ta... Mais regarde comment t'es... Tu dégages. Ça va, tu me lâches, tu me lâches, là. Dis-lui, toi, s'il te plaît. Dis-lui. Ah non, pas l'autre. Oh ben non, moi, je suis sa mère. De quoi on parle, là? Salut, tonton. Tu dégages, tu vas dans ta chambre tout de suite. Regarde là, la tour Eiffel, elle a des trous partout, on peut pas laisser ça. Va dans ta chambre. Mais ça va, détends-toi, bois un coup, va, n'importe quoi. Hein. Dégage. Allez, viens, mon poulet, là. Ta soeur, désolé, hein, mais putain, tu sais, les familles recomposées, c'est la plaie. Putain, quelle journée. Dire qu'on a failli par la petite, en plus. Hein? Tu veux pas boire un coup? Si. Bien sûr. Pourquoi on a du rouge pour l'apéro? On boit du rouge, maintenant. Merci, Macaï. Et tu nous ramènes aussi des trucs, là, genre à périmé couilles, là, tu sais, les bretzels. J'aime bien les bretzels, moi. Alors, ça se rapproche. Ouais. Tendu? Ouais. Mais pourquoi? Réfléchis donc, tu peux, hein, parce qu'après, de toute façon, t'es pendu. Hey. Non? Ça va, là, c'est mieux? Bon. Ah non, c'est pas vrai, là, je suis bien. Bon, détends-toi, toi aussi, allez, bois un coup, ouais. Santé. Santé. Aïe, là, c'est bon, là. Mais qu'est-ce que t'attends, là? Mais de l'argent. De l'argent, parce que je vais payer pour que t'ailles te faire galocher toute la soirée, là. Ça non, va, mais... j'ai 15 ans, merde, hein. Quel âge elle avait, maman, déjà, quand elle est tombée enceinte de toi? Ah oh ben, ça n'a rien à voir, elle avait au moins un an de plus. Rien à voir. Tu vas dans ta chambre, et c'est tout de suite, allons-y. Vivement, allez. C'est pas parce que mamie, c'était les journées portes ouvertes à mon âge que je vais cramer celle dans ma chambre, merde. Ce wawa, mais quelle pute, mais qu'est-ce que j'ai essayé d'une pute. J'y comprends rien. Elle est là, les profs. Et ils sont là, je suis convoqué à longueur de temps. Elle s'intéresse à rien. Ouais, comme l'autre, la petite, là, elle est mignonne, elle construit, elle est dans la construction, ouais. Hein, ma poupie? Tu vas pas devenir une petite pute comme ta sœur et ta grand-mère, hein? Eh oh! Ta sœur, d'ailleurs, tu sais que c'est une coquine. Elle est un peu vicieuse. Elle a une chatte. Bah, c'est bon, moi j'y vais. Ça va, là, c'est bon. Regarde, en plus, t'as moitié vide. Ah ouais. Assieds-toi. On va aller, putain, c'est pas de la dégustation. Hein. Tu me raccompagnes à la porte? Attends, laisse, je vais y aller. C'est bon, on se voit dans une heure, de toute façon. Allez, on dit au revoir à tonton. Au revoir, tonton. Et parti, les canards. On y va, on se casse. Allez.